Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui, non pas sur Spin Tire, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ma chaîne, mais sur The Hunter Call of the Wild. J'ai jamais fait de vidéo sur ce jeu, pourtant ça fait un petit moment que j'y joue. Je me suis décidé à faire une petite vidéo aujourd'hui, suite à la parution de la nouvelle map, donc Taiga, qui se situe en Sibérie. Alors j'ai 3 minutes de jeu, donc c'est-à-dire rien du tout. Ça m'a l'air d'être vraiment une très très belle map. On va regarder, c'est pas ça que je voulais faire, voilà, on va regarder un peu la taille de la dimension de la map. Pas l'air d'être aussi grand que la map américaine ou la map européenne. Alors au niveau du prix, donc 7,90€ ou 7,99€ pour la map, donc ça reste pas très cher. C'est vraiment super bien fait, la neige est magnifique. Alors les indications au sol au niveau des animaux sont plus en bleu, mais ça tire un peu plus vers le vert. Et c'est violet quand vous le validez. Ok. J'ai vu qu'il y avait un point d'observation. Donc on va aller voir le point d'observation. C'est vraiment super bien. C'est un super beau et super bien fait. Ça va changer un peu des maps, de la map américaine et de la map européenne. Les effets de lumière sont toujours aussi beaux. Les paysages sont magnifiques. C'est vraiment super beau. On voit même pardon, nos traces de pieds. C'est vraiment super bien fait. C'est excellent. C'est vrai que ça me tardait un peu que cette map arrive, parce que je commençais à, malgré les dimensions des deux maps précédentes, j'ai sur la map américaine tout débloqué, acheté toutes les tours de guet, les cabanes de guet et ainsi de suite. J'ai pas finalisé encore la map européenne. Mais c'est vrai que ça va vraiment changer cette atmosphère hivernale, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Alors le point d'observation en face, plein nord. Ça annonce de belles parties. J'en profite pour faire un petit coucou à Juju et Patou, qui ont l'habitude de jouer sur ce jeu, et puis à Guistou. Ça serait sympa qu'on puisse se faire cri d'accouplement à Port-Musqué. Ok. Port-Musqué. Un Port-Musqué. Okay. Je suis pas chasseur dans l'âme, vous m'excuserez. Merde. Alors comme vous le voyez, là je suis équipé de la 338, mon fusil de prédilection. Alors, on va essayer d'avancer un peu plus doucement, voir si on arrive à localiser les bestiaux. Alors il va falloir reprendre au niveau du visuel l'habitude de jouer sur ce genre de texture. C'est vrai qu'avec l'habitude on arrive à quand même assez bien déceler les animaux.
Ah, là-bas, c'est quoi? Oh, bah, je crois bien avoir fait un petit one shot. Yes. On va aller débloquer ce tour de guet, enfin ce tour de guet, ce tour d'observation plutôt. Comme ça, on verra un peu le paysage. Et c'est vraiment super beau. C'est vraiment très très beau. Un petit mal. Ça s'énerve, encore un port musqué. Bon, comme vous le savez, hein, normalement on devrait tirer que sur les mâles. Qu'est-ce qu'il gueule là-bas? Cri d'avertissement à lynx. Chose qui arrive ouais, en face. Bon, on voit un peu de gibier, c'est sympa. Allez, on va aller débloquer la tour d'observation. C'est vraiment super bien fait, les traces dans la neige. C'est vraiment super beau. Et c'est vrai que pour le prix, à peine 8 euros, ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que c'est des jeux qui nécessitent quand même des PC avec une bonne configuration quand même. Mais c'est vraiment magnifique. Ah oui, quand même pas mal de points This débloqués. lookout offers quite a view. From up here, you can see outposts, hunting Donc, grounds, on and a all the nature you can feast your eyes sur cette partie de la map là, donc on a donc deux points de ralliement, comme on va dire ça comme ça. Et puis après, je suppose que c'est des points d'information et tout ce qui est tour de guet. C'est vraiment magnifique. Ah, il y a de la bestiasse là-bas. Go there now to rest, Alors, resupply and take shelter. il y a de You la may want to fix up bestiasse. the place. It hasn't seen much use since winter came. Hop. Avec la jumelle, eh ben, on a fait un petit one shot. On a fait un, on va essayer de Allez, on va aller voir ce que ça donne. Hop, on va accélérer le mouvement. J'entends bien le craquement de la neige sous les pas, c'est vraiment super bien fait. Je sais pas si vous, dans la vidéo, vous m'entendrez bien. Avec le vent, c'est un peu compliqué. Mais là, avec le casque, c'est vraiment terrible.
cette végétation givrée, c'est vraiment très très bien fait. Allongé ici, certainement le mâle que j'ai shooté en premier. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est une femelle. Ok, il y a la main. Ok, donc chez les reines, même les femelles ont des cornes. Alors, est-ce qu'il y a des traces de sang par là? Pas l'air d'avoir de traces de sang. Il semblait, semblait en avoir touché. On va chercher un peu. Là, il y a une trace de sang ici. Non. Des excréments. Il me semblait pourtant en avoir touché au moins deux. C'est bizarre, je trouve pas de traces de sang. Ça, on va essayer de voir par là. Les traces partent pas dans le bon sens. Ah, il y a un bestiau ici, c'est ce qui me semblait. Alors, c'est quoi? Là, par contre, c'est le mâle. Voilà, un joli renne mâle. 170 kilos. Alors d'habitude, je shoot pas plusieurs animaux comme ça pour justement éviter de m'emmerder à rechercher les traces. Il semblait bien pourtant avoir touché une femelle. Alors par expérience, quand c'est des troupeaux, même quand ils sont en fuite, ils se suivent. Ouais, ça, c'est plutôt des traces. C'est plus gros, ça. Ah non, c'est du renne. Ok. Allez, on va avancer tranquille. Je suis pas bien bon. Alors ce qu'on va faire, hop, on est là, on va repartir dans l'autre sens. On sera déjà beaucoup mieux au niveau du vent. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et ça vaut largement les 8 euros. Partir comme ça, plein nord. C'est vraiment superbe. Alors, hop, on va se remettre encore un peu plus comme ça. On devrait pas tarder à arriver vers un point d'interrogation.
faire là-bas. Nous ne sachons pas ce que c'est, on va y aller tranquille. Ça a l'air d'être le grand calme, il n'y a pas de traces au sol. On va en profiter pour avancer un peu. Alors, un petit tour de guet. Hop. Tac, on va aller voir ça, ce que ça donne. Ah ben c'est cool, on va voir la neige tomber. Petite tempête de neige. Allez, on va ressortir et on va se diriger en plein nord. Les herbes sont bien hautes ici. Je pense qu'on va se prendre une petite tempête sur la courge. On entend vraiment le crissement de la neige sous les pieds, c'est excellent. Donc là, on est sur un petit lac. C'est vraiment magnifique. Visibilité par contre là on voit rien du tout sur la neige. Tour de guet là, donc on était par là. Allez, on est reparti. C'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. On va accélérer un peu le pas. Un élan, ok. Pas être très très loin. On va essayer de se le choper, ça serait pas mal. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette bestiasse là? Thank you.
Allez, on va se diriger plein nord. Non, plein ouest maintenant, ça a changé. On va aller débloquer la première cabane. Bon, bah, ce qui est sympa, c'est qu'on aura déjà vu un peu de gibier. Ça nous aura permis un peu de voir un peu cette végétation. Pas tellement de gibier dans le coin. Bon, il y a des traces un peu plus loin. Pas dans le bon sens, c'est pas grave. Allez. On va se diriger. Vers la cabane pour la débloquer. Et puis on s'arrêtera là pour la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie vraiment de jouer sur cette map. Pour les copains qui y jouent, j'en doute pas une seconde. En tout cas, pour les autres qui connaissent pas encore le jeu, c'est vraiment un jeu qui vaut vraiment le coup. Enfin, en tout cas, si vous avez le PC approprié pour. Mais pour pouvoir le faire tourner en pleine résolution. Mais c'est vraiment une très très belle map. Changer d'atmosphère comme ça, c'est très très agréable. Alors, elle est où? On va pas tarder à arriver dessus, un peu plus là, voilà. On va y arriver. Ouais, on va accélérer un peu. On va débloquer ça. Hop. La petite cabane russe. You have arrived. Our outposts are no five-star hotels, but they beat sleeping outside. Once you fix the place, you can rest and resupply here anytime. Alors, on va aller voir. Au niveau de l'armurerie, bon, il n'y a pas de, je sais pas s'il y a des nouvelles armes. Alors moi, je joue essentiellement à la carabine. C'est vrai qu'il faudrait que je me mette un peu à l'arc. Now that you're comfortable, or as comfortable as anyone can be out here, I need you to help one of the other team members, Gunther Baden.
At the campsite in Kribotsky Bay, you might have an easier time calling it Fisherman's Bay. We haven't heard from him since the blizzard last week. Alors, il y a des sangliers. His last mobile communication said he was low on food. Comme ça, ça sera Gear fait. Up to hunt deer. Bring hungry Gunther some fresh meat. Alors, donc il y a des élans. Qu'est-ce qu'on va virer? Servir des impôts à Wapiti. Je sais pas s'il y a des Wapiti en Sibérie. Je crois pas. Donc on va le mettre comme ça. Et impôts à sanglier. Il est où? Ici. Il y a donc des élans. Gunther Baden is our photographer. I tell you, he comes as highly recommended as you, but the truth is he comes very, very cheap. Gunther arrived about a week ago to set up remote cameras all across this region. On va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment une très très belle map. We haven't heard from him since the storm. Jamais elle arrête de parler, elle. It's normal for people to disappear for a few days in the taiga. But Gunther, unlike you, his resume grossly exaggerated his wilderness survival skills. He's more of a passionate amateur. Les effets de lumière sont toujours aussi beaux, les détails c'est magnifique. Thanks for hunting on his behalf. On a les traces de nos pas, donc là on n'y voit pas bien par rapport à la lumière, mais sur la neige. C'est vraiment super beau. En tout cas, belle acquisition pour 8 euros. Je vous dis à très très bientôt. Bonne chasse à tous. Bye bye.